Hello famille, c'est comment? C'est irritant, vous connaissez ça, chauffe pas. On dit que je suis un beau gosse. Ah bon, hein? Merci à tous ces admirateurs là, ça fait plaisir de se sentir beau. Bref, aujourd'hui on parle de bébé Philippe et je vous partage quelques images du show inédit de l'empereur Kankoumoussa alias Ibawan au Biblos hier. Yeah. Ibawan a cassé le Biblos. Oui, Ibawan a cassé le Biblos. Parce que moi je m'y attendais, je sais que le mec, il a trop de fans dans tous les quatre coins du monde. Donc ça m'a pas trop surpris. J'étais très content du show et il faut dire que l'artiste a assuré. Cependant, j'ai bien envie de vous parler aussi de Bébé Philippe parce que Bébé Philippe sort son album bientôt. Dans quelques jours, je dirais dans deux jours, c'est-à-dire vendredi à 01h01. Et dépêchez-vous. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que Bébé Philippe est bientôt sur le trône. On se prend un peu le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur irritant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Bon retour, chers amis. J'espère que vous partez. Jetez un coup d'œil à la page Facebook de Laurie Event. Voilà, vous êtes beaucoup à vous manifester. En tout cas réservé pour cette fin d'année. Et prions que tout se passe bien pendant les élections afin que notre pays regagne toujours sa stabilité. Voilà. Bref, Bébé Philippe bientôt sur le trône. Je parle de Bébé Philippe ou de Ibawan. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, je vais d'abord commencer par l'artiste Bébé Philippe. Je vous annonce encore que ce 19 septembre, à partir de 01h01, l'album inédit, l'album événement de l'artiste Bébé Philippe sera disponible. Voilà. Donc, j'invite tout le monde, si je t'ai dit admirateur de la musique ivoirienne, si je t'ai dit fan de la musique de Bébé Philippe, il faut sortir ce 01, acheter l'album de ton artiste. Il sera disponible sur toutes les plateformes, voilà, il sera disponible sur toutes les plateformes légales, il ne faut pas que je vous montre, c'est vraiment une très bonne organisation, l'artiste s'est vraiment préparé. Comme vous, je n'ai pas eu la chance d'écouter tous les morceaux de l'artiste, j'ai juste écouté des débris. Quand je parle des débris, j'ai des petits bouts de ces différents morceaux. Et franchement, je peux vous dire, ça promet. Je vous annonce aussi, juste après la sortie de son album, une vidéo réaction. Là, j'aurai l'occasion d'avoir écouté tous les titres et je vais vous donner mon avis franc. Vous connaissez Irritor, moi je ne suis pas là à caresser dans le sens du poil. Mais pour ce que j'ai écouté, franchement, je sais que cet album va cartonner. Voilà, je sais que cet album va vraiment cartonner de ouf. Je sais que cet album m'accaronnera. Voilà. Vous savez, avec Eriton, les vidéos se font de façon naturelle et je pense que c'est plus communicatif. Voilà. Donc, veuillez vous tenir prêt pour cet album-là parce que c'est un album événement. L'artiste a mis tout son savoir-faire dedans, que ce soit au niveau de l'arrangement, que ce soit au niveau du savoir chanter. Franchement, l'album, il promet. Vous avez même écouté son petit pot pourri par rapport à cet album. Quand je parle de pot pourri, c'est une composition musicale où il essaie de vous faire écouter quelques bouts des différents morceaux de son album et vous voyez que ça promet. C'est quand même Bébé Philippe, c'est un gros talent de notre coupé décalé. C'est rien d'extraordinaire parce que le talent il est déjà là. Donc je rappelle encore que ce vendredi à partir des 01h01, Bébé Philippe sort et il sort de la plus belle des manières et il attend de votre soutien. Voilà, achetez l'album parce que je sais que Bébé Philippe va surprendre avec cet album là. Je l'ai déjà dit, il va vous surprendre agréablement parce que c'est un album événement. J'ai confiance à l'artiste parce qu'il c'est un gros talent. Il est très bourré de talent et je sais qu'il nous fera plaisir. Donc rendez-vous ce 19 septembre à partir de 01h01 pour l'album de Bébé Philippe. Voilà. Je n'ai pas envie de critiquer actuellement, mais j'ai des critiques à faire. Parce que ayant écouté la plupart des morceaux de l'album, même si ce n'est pas en intégralité, je sens certaines absences et je vais les critiquer quand j'aurai toutes les infos et tous les arguments à ma possession. J'attends, comme vous, ce 19 septembre à 01h01 pour aller acheter l'album et l'écouter. Donc, je vous invite tous à acheter l'album de Bébé Philippe. Parce que bientôt, il monte sur le trône, il le dit. Voilà. Maintenant, concernant Ibawan et son show Biblos, est-ce que j'ai besoin de trop parler? Je vous laisse regarder, non? Parce que vous voulez regarder la magie de Ibawan au Biblos hier. Combien de fois les Gladias sont sortis massivement? En tout cas, toutes mes félicitations à tous les Gladias. Vous êtes de vrais fans. Vous soutenez vraiment votre artiste. Vous êtes prêt pour lui à 1000%. À 1000%. À 1000%. Félicitations à tous les Gladias. Et continuons de grandir l'armée de la team Gladia en faisant la promotion de l'artiste. Donc, je vous invite à suivre maintenant
quelques images du show explosif de Iba One à la soirée Thai Bass au Big Boss Nightclub. Que Dieu vous bénisse. C'était votre même serviteur Héritor. Bon vision à tous et à toutes. I'm not sure if you're going to be able to do it.